Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa ses diamants. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société GBFKE. Ils m'ont contacté au mois de décembre et j'ai reçu le colis au mois de janvier. Ça a mis presque 3 semaines quand même. Voilà. C'est que du point de croix et accessoires point de croix. Ouais, j'ai changé. D'habitude, je prends beaucoup de diamond painting. Et là, j'ai pris du point de croix. Car j'ai craqué sur 2 points de croix qui me faisaient beaucoup envie. Que je voyais beaucoup sur les chaînes. Voilà. Enfin, surtout une. Alors, j'ai repris ceci. Alors, ce sont des pinces. Elles sont assez grosses. Comme vous voyez, elles sont roses. Je les ai en bleu. C'est pour ma grande toile Opera Town que je fais avec Isa. Pour la tenir, elle va être bien pratique parce qu'elles tiennent bien cela. Je vous montre, elles sont grosses. Elles sont assez souples quand même. Enfin, elles sont pas dures. Ouais. J'espère qu'elles vont bien tenir, mais je pense que oui. C'est deux lots de 2 pinces. Elles sont au prix de 2,99€ sur le site de GBFKE. Je ne sais pas s'il y a d'autres coloris. Moi, je les ai déjà en bleu clair, rose, et je crois qu'il y a en blanc aussi, il me semble. Et je ne voulais pas des petites. Je voulais quand même des assez grosses. Voilà. Donc, je vais les mettre de côté et je vais vous montrer mon premier point de croix. Parce que vous avez vu le modèle. Là, je ne suis pas dans les verts, je suis dans les bleus. Celle-ci, je ne l'ai jamais vue sur des chaînes, mais l'autre modèle, oui. J'ouvre et je reprends. Voilà, je vous reprends. C'est la société Voyage Chou. Quand il y a marqué 60 000 comme ça, c'est la société Voyage Chou. Alors, nous avons le toolkit. Pardon, on a nos 5 aiguilles, notre pompon, l'enfil aiguille et la petite bags. Voilà le toolkit que moi j'affectionne énormément. Et j'ai choisi ce modèle-ci. Par contre, l'image est un peu floue. Qu'est-ce que vous voyez, vous, à la caméra? Ah, vous voyez mieux que moi. C'est une 60 par 30. Non, 40 par 56. Ça n'a rien à voir, c'est la référence. Je la trouvais très jolie. Très, très jolie. Une jeune fille avec plein de cheveux de rose dans ses cheveux. Et tout en bleu avec un papillon, enfin des papillons magnifiques. Je vous montre d'un peu plus près. J'ai hâte de voir le regard. Là aussi, un joli papillon. Ouais, c'est des roses, je pense. Magnifique. On a toujours les explications en bas. Le patron est très très bien imprimé. On a 42 couleurs. Alors attendez, on regarde ça bien. Alors, y a-t-il des symboles qui se ressemblent? Qu'est-ce qui me saute aux yeux? Bon, déjà, il n'y a pas de point rouge ni de point orange. Ça, c'est un bon point. Parce que ça, c'est souvent ça que moi je bute. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est très très bien imprimé. Je vous montre de plus près.
on a l'image qui est retranscrit ici. On a bien 42 couleurs. Voilà. Ça faisait un petit moment que je la voyais, celle-ci, mais j'étais intriguée par les couleurs qu'il pouvait avoir. Je suis sûre que l'or, c'est une toile qui te plaira. Je ne sais pas si tu l'as déjà, toi qui aimes le bleu. Pourtant, moi, je suis attirée beaucoup par le vert, mais celle-ci, je ne sais pas, m'a attiré l'œil. C'est comme l'autre modèle, vous allez voir aussi, tout dans les teintes de bleu. C'est spécial, le point de croix, tout en bleu. On voit la vie en bleu. J'ai marqué ça en titre de vidéo. Alors, on va regarder la toile. Elle est imprimée claire par rapport à d'habitude. Mais elle est très très bien imprimée. Je vous montre. Ils ont fait des efforts d'impression. Alors attendez, je vais peut-être pousser le patron. Ça va être plus simple. Hop. On pliera mieux que ça parce qu'elle n'est pas très bien pliée. Je vous montre l'impression. Moi, je la trouve pas confetti. On peut finir son aiguillé de couleur. Oui, je ne la trouve pas si confetti que ça. Je m'attendais à plus confetti. Là, on voit bien le visage. La toile est un peu raide, mais bon, ça peut aller. Elle est surjetée. C'est rare maintenant qu'on a des toiles non surjetées. Comme je vous disais, 40 sur 56, 148 points sur 217 points. Tout est retranscrit sur la toile. Tout est clair, net et compréhensible. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et je remonte encore. L'impression, voilà, elle est vraiment très très belle. Comme c'est un nouveau modèle, ce sont les cartonnettes individuelles. Et là, ils ont mis un élastique. Maintenant, moi, j'ai acheté des petits anneaux comme Alexandra. Et c'est vrai que c'est bien pratique. Je fais ça maintenant. Et je pense que je vais faire ça avec toutes mes toiles. Je checkerai aussi les couleurs. Toujours checker les couleurs. Pour voir s'il n'y a pas un DMC qui a été oublié, enfin un numéro de fil qui a été oublié, on ne sait jamais. Ah, il y a des violets aussi, du bleu tirant sur du violet, ok. Regardez-moi ce violet, magnifique. Alors on va essayer, je vais l'enlever parce que ça va être pratique. On va pousser comme ça, on va mettre comme ça. Voilà, comme ça vous allez bien voir. Ça, c'est la même teinte. Une couleur en dessous. Du bleu marine. Toujours du bleu marine. Magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si. C'est vrai, je suis. C'est pas mon habitude, les bleus, mais là, cette fois-ci. Je sais pas. Des fois, on a un coup de cœur d'une toile, on n'explique pas. Magnifique. Ah, vous avez vu là, le chiffre, il a été mangé. Ben, je vais essayer de mettre un. Ça doit être 793. J'ai pas de crayon sur la main. Ah si. Je vais essayer de le remarquer là. Et cette toile sur le site GBFKE, je sais plus, 8,99€. Pardon. J'ai remarqué parce que sinon on ne sait jamais, ça peut.
des gris, des bleus, un joli violet, encore du violet, tirons vraiment sur du bleu, c'est magnifique, un gris, encore un autre bleu, là on a plusieurs gris, mais c'est vraiment des gris bleus, c'est vraiment des gris. Voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Après on va arriver sur des roses, des beiges pour le visage. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ah, puis on a un orange piton, je sais pas où il va aller. Ah, là, il y a des cartonnettes qui ont été coupées. Pardon. Là, quick. Elles sont plus petites. Je vais vous mettre sur pause parce que j'entends ma chienne et elle a dû ouvrir la porte. Un gris et un rose. Un bleu. Après, je vais arriver au orange pétant. Du rose. Encore du rose. Regardez-moi ce orange là. Pétant. Celui-là que je vous le dis, 947. Et ça, j'ai déjà eu dans d'autres toiles. Toujours du rose. Ah, on a un rouge, à mon avis, ça c'est pour les lèvres. 666, la couleur du diable. Du bleu. Ah. Voilà. Alors attendez, ce que là, ça s'est un petit peu remêlé. Du rose et du violet. Du bleu et du rose. Je vous mets sur pause, je reviens. Voilà, pardon. Je bois un petit coup au passage. J'ai toujours cette gorge qui me chatouille un peu. On a eu vraiment du froid là. Je ne sais pas chez vous, mais moi, il a fait jusqu'à moins 6, moins 7. Il faisait vraiment pas chaud. Et ce matin, il fait pas chaud encore. Bon, vaut mieux ce temps-là que l'humidité. Mais moi qui travaille, comme vous le savez, en extérieur, c'est pas évident des fois. Alors, je remets l'élastique comme c'était. Voilà. Vraiment magnifique. Toutes ces couleurs. Ça va être une toile très très belle. Je remets dans un sachet. Code, c'est vraiment le code qui est ici, 6130, 6130, 40 par 56. Ça c'est bien. Voilà. La deuxième toile. Vous voyez aussi dans les teintes de bleu. Donc je mets sur pause, j'ouvre et je vous reviens. Voilà. Je reviens. Le tout le kit comme tout à l'heure. En plus c'est le même. Avec le même pompon et le même dessin. Je suis désolée. J'ai vraiment la voix qui gratte ce matin. Voilà. Et je vais vous montrer le modèle que j'ai choisi. Vous l'avez déjà vu. Regardez-moi cette beauté. Avec la terre derrière. Je pense que c'est la terre. Avec des étoiles. Avec un joli, alors je sais pas si c'est un tatouage ou un collier, ou je sais pas. Magnifique. Tout dans les teintes de bleu là, ça va être super beau. C'est une toile qui fait
40 par 70. Et elle a 34 couleurs, je viens de vous voir. Le patron est assez grand et papier glacé comme tout à l'heure. C'est le même vendeur, où il y a chou. Et le patron est super bien imprimé. Comme je vous disais, la photo retranscrit ici. On a bien nos 34 couleurs. Je vais regarder les symboles. On a des V bleus et des V rouges, donc ça c'est pas un souci. Non, il n'y a pas de points. Donc elle n'est pas confetti. Ça va. Un peu par endroit, mais il faut bien des détails. Donc des grandes zones là dans les cheveux. Le 20 c'est le 939. On a du 20 et on a du 823. 939, 823 et du 311. Je sais pas c'est quoi comme couleur, ça doit être aussi un bleu foncé. Il va falloir que je me mette sur pause. Mon chien veut sortir. Elle a fini ses croquettes. Tu veux sortir? Je suis désolée. Ces coupures, enfin, ça change pas grand chose, mais quand même. L'impression du patron, très très bien. On voit vraiment clairement la jeune femme là. On voit ses cheveux. Je vous montre du plus près. On a vraiment un joli patron. Et je viens de regarder dehors, on a toujours moins 5. Il fait vraiment pas chaud. Cette toile, elle est au prix de 10,33 €. Quand j'ai fait et là. La sélection, elle est vraiment magnifique. On va regarder la toile, pardon. Alors, comme tout à l'heure, elle est un peu rigide, tout en longueur. Et elle a imprimé très très clair, par contre, comme l'autre. Je vous montre l'impression, mais elle est très lisible. On a encore la petite photo qui est retranscrite ici. Moi, j'aime beaucoup quand ils mettent ça. Je sais pas pourquoi. Surjeter la toile. Magnifique. Magnifique. Vous voyez toutes ces zones de jaune là, c'est que du 939. Ici aussi. Et en haut, le marron, c'est du 996. Dans ses cheveux, il y a plein de zones de marron. Elle est vraiment très très belle. Dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez des deux. Celle avec les papillons et les roses ou celle avec les étoiles. Je serais curieuse de savoir. On va regarder les fils. Je vois des bleus. C'est magnifique. Il me semble que celle-là, je l'avais vue sur la chaîne de l'or. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois. Comme tout à l'heure, on a encore un élastique. Je pense que ça va être leur nouveau système pour plus pratique, peut-être pour montrer les couleurs. Je vais essayer de les montrer comme ça. Ça va peut-être pas évident. Regardez-moi ces bleus-là. Celui-ci, là. Là, on a du beige. Bon, ça, c'est 939. On doit en avoir pas mal, ouais. On a beaucoup de cartonnettes. On va pousser. Regardez-moi ces bleus-là. Splendide. Ah oui, celui-ci, là. Un bleu nuit comme ça. Attendez. Vraiment très très beau. Ça, ça tire un peu sur du vert. Dommage, je ne sais pas les vraies couleurs. Comme moi, je vois vous, c'est un petit peu plus fade.
avec de l'ocre. Ça, c'est pour faire sûrement les reflets des étoiles, les choses comme ça, avec un peu de jaune. On a du gris, du bleu, c'est vraiment les couleurs de la toile. Hein. Un joli orangé là. Et là, ce bleu là, je l'ai jamais vu. Alors attendez. Hop. Très très beau. Des marrons. Encore des marrons, des verts. Là, on a un vert. On a encore des marrons et on a encore du bleu. Voilà. Magnifique. Ouais, je pense que ça va être leur nouveau truc de mettre un élastique. C'est peut-être plus pratique. Voilà. Il y a de quoi faire. Une jolie toile là. Je remercie infiniment GBFKE pour leur confiance. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les liens des articles, les liens de la boutique en barre de description comme d'habitude. Je n'ai pas de code promo chez GBFKE. Si j'en ai un, je vous le mettrai en barre de description. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire et me dire laquelle des deux vous préférez. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.